pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le farandole art? Le farandole art, c'est la peinture que j'étudie et que je développe actuellement. J'ai développé donc de multiples méthodes de travail et maintenant je suis en train de faire des recherches sur une nouvelle technique que j'appelle le farandole art, pour utiliser un mot francisé et non pas un mot américain, qui consiste à mélanger plusieurs techniques que je mets au point et que certaines sont déjà dans mes tableaux depuis plusieurs années. Le pouring action painting, le body pouring action painting et actuellement le cyclo-balancier. Le cyclo-balancier, c'est une technique que vous avez certainement déjà vue plus ou moins à la télévision ou plus ou moins dans des vidéos sur YouTube. En Amérique, on appelle ça le pendulum painting. Tout à fait. Parce qu'il s'agit d'un récipient plein de peinture. Moi, j'ai calculé et j'ai mis au point différents contenants avec différents poids, de manière à obtenir les courbes, les formes que je désire, le balancement, d'où le balancier, le balancement de traces de peinture. Et cela demande évidemment beaucoup de recherche, beaucoup de temps et ensuite donc c'est l'expérience qui fait tout. Cette fibre artistique, elle est dans la continuité de mon travail, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu mettre en faveur, en évidence, la féminité. Moi, je suis un peintre, je ne veux pas dire que je suis un peintre de la femme, je ne suis pas le seul, on est des millions à avoir fait ça au cours des siècles, mais j'ai toujours aimé mettre en valeur la femme, et dans mes tableaux, comme vous avez pu le remarquer déjà, il y a énormément de modèles, il y a énormément de femmes qui sont représentées. Et aujourd'hui, la femme est tellement un mystère dans notre univers que je la peins en lui conservant son anonymat. Voilà. J'ai, il y a quelques années, presque 20 ans déjà, 20 ans, oui certainement, réalisé ma Joconde à moi. Bien sûr. Ma Joconde à moi qui a été le chef-d'œuvre en un temps de Léonard de Vinci. Et moi, ma Joconde à moi, elle s'appelle Anna. Elle est sur plusieurs tableaux, donc dans mon livre évidemment. Mais aujourd'hui, je pense que je veux mettre à l'honneur toutes les femmes. Toutes les femmes, toutes les situations, tous les continents. Puisque j'ai travaillé sur les quatre continents. D'accord. Oui, j'ai pas encore travaillé sur en Australie. J'ai raté le coup. Comment voyez-vous l'évolution future de la farandole art? Alors, pour moi, le farandole art est un passage. Je pense que d'ici 2-3 ans, j'en aurai fait le tour et je serai passé à autre chose. D'accord. Mais c'est amusant. C'est amusant. Et tant que ça m'amuse, c'est bon pour moi. Parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. On ne doit pas être au boulot, comme on dit, mettre au boulot dodo, c'est classique. Non, moi, depuis toute ma vie, je n'ai trouvé que du travail de passion. Donc ce n'est plus du travail, c'est une passion. Dites-moi, qu'est-ce que je fais le matin à 6 heures? Ah, je vais à l'atelier. Mais le soir à 10 heures, où vous êtes? Ben, je suis encore à l'atelier. Mais vous faites que ça? Ben, presque. Je suis un fan de mon activité. Évidemment, je n'aurais pas cette pulsion de travail si je n'avais pas avec moi des gens, en particulier évidemment les modèles, qui viennent et qui sont surprises de voir comment je travaille et de ce fait, elles ont envie d'essayer. Elles ont envie d'essayer. Ça a été le cas pour le pouring action painting,
hein, le body pouring action painting, et là maintenant avec le farandole art. Et je retrouve même des anciens modèles qui me disent, ben là, tu fais ça, mais moi aussi je veux y participer. Voilà. D'ailleurs, vous voyez le long de ce film, il y a une dizaine de modèles qui sont là, qui ont été présentés. Bon, évidemment, la plupart du temps, les modèles qui travaillent avec moi sont en tenue d'Ève, on va dire, hein, c'est plus simple. Et à la télévision, on ne peut pas présenter des tenues d'Ève, il paraît que c'est indécent. Il paraît, hein. Je me suis même laissé dire qu'en Angleterre, on avait supprimé des tableaux de jeunes filles se baignant parce qu'elles étaient les seins nus. Voilà. C'est mon ami et collaborateur depuis de longues dates, Thierry Lopez, hein, qui m'a dit, mais si nous mettions des effets de couleur sur les images. De ce fait, le personnage sera toujours présent, mais on cachera ces petits tétons, qui sont pourtant si mignons, et qui ont donné la nourriture quand nous étions bébés. Donc, je ne vois pas pourquoi on les cacherait, mais enfin, bon, sur les plages, elles y sont. Mais ici, dans les films, on n'a plus le droit. Donc, et puis, tout l'ensemble du corps, évidemment. Hein. Dans toute recherche artistique, il y a les éléments techniques. On ne construit pas des immeubles si on ne connaît pas les règles élémentaires des matériaux. On ne construit pas des belles choses si on ne connaît pas la résistance, si on ne connaît pas la qualité, si on ne connaît pas... Alors moi, c'est pareil. Pour faire un cyclo-balancier, il a fallu que je m'adapte à ce que j'ai pu trouver. Donc les recherches entre les cordages, plus ou moins élastiques, qui donnent certaines vibrations à la peinture, hein. Le poids que l'on met au bout de ces cordes, hein, ou de ces élastiques, quelquefois j'utilise des élastiques évidemment, et la nature de la peinture. Alors la nature de la peinture, ça je peux vous en parler longuement parce que pour moi ça a été des mois de travail et de recherche. J'ai essayé au moins 100 peintures. J'ai essayé des dizaines, et par chaque peinture, j'ai essayé des dizaines de viscosités différentes. Impressionnant. De balancements différents, de poids différents. D'angles différents. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, ce que je peux dire pour les jeunes, c'est que, comme je l'ai appris quand j'étais jeune, 100 fois sur le métier, remettrez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Et pour conclure, des milliers d'heures de travail pour quelques secondes de génie. Je ne suis pas encore un génie, j'espère le devenir un jour, mais j'essaye de faire des choses qui surprennent, j'essaye de faire des choses que les autres n'ont jamais faites. Bon, je sais que je serai à nouveau copié, comme je l'ai été de multiples fois dans ma vie. Mais c'est ça la rançon de la gloire, c'est les chanteurs sont chantés par les autres, quelquefois même en karaoké avec des voix qui vous font frémir. Mais oui, quand je dis ça, je rigole parce que on m'a imposé un karaoké il y a dernièrement et je vous assure que j'aurais préféré rester à la maison tranquillement à travailler plutôt que d'écouter les voix gueulardes de mes amis. Mais c'était quand même une soirée sympathique, évidemment. Voilà, donc les jeunes, n'ayez pas peur, travaillez, ne faites pas semblant. Ne dites pas, oh, je vais copier ceci ou copier cela. Une copie, c'est une copie. Ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre que vous êtes en train de refaire. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas copier, parce que pour apprendre, hein, on n'apprend pas un métier si on n'a pas un professeur. Donc, le professeur est là pour vous montrer et vous copier ce que le professeur vous dit. Hein? Moi-même, j'ai fait énormément de copies de différents artistes dans ma jeunesse et je sais que même certains de mes tableaux servent de modèle dans des écoles. Et ça, c'est aussi pour moi quelque chose qui est flatteur. Je pense que mon travail plaît à des professeurs puisque
il se sert de mon travail pour le faire copier aux élèves. Alors, le cyclobalancier, c'est l'objectif de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Comme vous pouvez le constater, il y a à la fois des choses qui sont belles et des choses qui sont moins belles. Je n'ai pas voulu vous montrer les pas belles, parce que là, ce n'est pas un reportage de 40 minutes, ça serait un film de plusieurs heures. Et ce n'est pas marrant. Donc, il y a, et on le voit très bien sur beaucoup d'images, des parties de traits purs, des parties de traits avec des points et des parties de points. Donc, la grande difficulté, c'est d'arriver à faire que les tâches s'harmonisent avec les traits et non pas un truc tout taché, minable. Bon, évidemment, je ne le dirai qu'en sourdine, mais la plupart des traits sont retouchés parce qu'il y a toujours des petites imperfections et je peux vous dire, l'une de mes collaboratrices fait ça en permanence de retoucher des traits. Le farandola est dynamique déjà par sa réalisation. C'est la façon de travailler, c'est dynamique. Hein? Je ne suis pas assis sur un tabouret en train de faire des tâches de mettre des petits aplats ou de peinture au couteau ou au pinceau. Là, on est dans l'action, complètement dans l'action. Il faut manipuler beaucoup de peinture. Il faut arriver à trouver le bon balancement. Il faut aller tantôt à droite, tantôt à gauche, faire en sorte que la projection de la couleur soit en harmonie avec le corps sur lequel le travail s'effectue. N'oublions pas que c'est très joli, les corps en couleur, mais ce n'est pas le tableau. C'est uniquement pour vous montrer par cette vidéo, des choses magnifiques. On pourrait faire effectivement un album de photos, mais ce n'est pas le but de mon travail. J'en fais quelques fois. Il y a des amis photographes qui travaillent avec moi et qui, eux, font des expositions de photos. Moi, mon travail, c'est la peinture. Donc, pour être très simple, je ne peux jamais vous présenter un tableau tel que vous le voyez là. Là, ce que vous avez, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'art éphémère. Tout à fait. Parce que, je vous le rappelle quand même, ce sont de vrais modèles et qu'après la séance, elles vont se laver. Elles ne sortent pas comme ça. Pensez-vous que la technique du cyclobalancier pourrait évoluer à l'avenir dans le contexte du mouvement Farandole Art? Je pense que oui, parce que comme je l'ai dit, je pense que je vais travailler ces techniques pendant au moins 2 ans. C'est parce que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et encore beaucoup à faire. Découvrir. Hein? On le voit, il y a tellement d'erreurs à corriger, il y a tellement de choses à voir. Hein? Je vous disais tout à l'heure, le fait de projeter la masse de liquide par la droite ou par la gauche, c'est complètement différent. La plupart du temps, je suis droitier, donc la plupart du temps, ça vient presque naturellement de faire un balancement sur la droite. Mais maintenant, je vous assure que j'en fais autant sur la droite que sur la gauche. Ben ça a été une évolution. Et il m'a fallu quand même plusieurs semaines pour comprendre le besoin de faire ces deux actions sur un même tableau. Hein? Surtout quand on a un modèle. Un modèle, c'est quand même un personnage qui fait 30 à 40 cm d'épaisseur. On ne fait pas n'importe quoi. Avec au milieu, on ne balance pas de la peinture, hein, comme ça, sur
un corps qui est aussi épais. Généralement, d'ailleurs, ce que vous pouvez voir sur Internet, ce sont des projections de peinture qui sont sur des toiles horizontales, d'accord, simples toiles. Hein. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est pas très joli. Mais enfin, bon, ce sont des essais, il faut en faire. Moi, je n'ai pas voulu vous les présenter, parce que, comme je vous ai dit, il y en aurait pour des heures. Et ça, ce n'est pas intéressant. En regardant cette vidéo, je pense que vous avez des réactions. Et j'aimerais bien que vous répondiez, que vous m'envoyiez vos observations, en bien et en mal. De toute façon, c'est dans la critique qu'on arrive à évoluer. Et moi, j'accepte la critique. Je ne suis pas l'artiste qui se dit « après moi le déluge ». Non, moi j'accepte la critique. Donc si vous voulez me critiquer, vous pouvez. Si vous voulez me féliciter, vous pouvez aussi. Mais surtout, écrivez-moi, que je puisse avoir un peu un ressenti par votre retour. Les difficultés, elles sont permanentes. Chaque fois que je commence un tableau, c'est une aventure. D'abord, j'essaye de travailler avec des modèles différents pour avoir d'autres mouvements, d'autres impressions, avoir une discussion différente, parce que le contact avec la personne humaine avec laquelle je travaille, d'ailleurs vous le voyez sur les vidéos, je ne suis jamais seul. On est toujours 4, 5, 6, même certains films, on était jusqu'à 12 personnes. Hein, quand je travaille avec plusieurs modèles, ben, y a effectivement plusieurs personnes avec moi. Ou d'un moment marquant lié à la création d'une œuvre cyclo-balancière en particulier. Le moment le plus marquant, le plus rigolo aussi, parce que il faut bien rire dans la vie, hein, c'est quand j'ai voulu travailler avec 4 modèles. Je peux vous dire qu'avec un modèle, c'est une certaine action. Le modèle comprend assez vite. 2 modèles, c'est déjà du sport. 3 modèles, ça devient de la compétition. Et 5 modèles, ce sont les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques du cyclo-balancier. Franchement, c'est un bras gêne la projection de peinture, une jambe gêne quelque chose, une fesse est trop haute et le cyclo-balancier cogne dedans. Oui. Enfin, c'est une véritable compétition olympique. Mais comme c'est un travail d'équipe, on y arrive et chacun donne son mot, chacun donne... Alors, dans cette action, je ne vous ai pas donné les modèles qui bougent. Parce que les modèles qui bougent, je peux vous dire que ça fait un sacré pâté de peinture. Hein? Et il y a eu des moments vraiment épiques. Parce que quand le modèle, et vous le voyez très bien sur les vidéos qui défilent, quand le modèle est plein de peinture, s'il se relève, il va tout abîmer. Donc, nous sommes là à 3-4 personnes pour prendre le modèle en poids, chacun une poignée, éventuellement la tête et chacun un pied, pour soulever le modèle, pour l'enlever du tableau. Donc, quand on me dit c'est facile de faire de la peinture, je dis oui, mais c'est aussi du sport. Hein? Relever quelqu'un sans mettre le pied sur la peinture, hein, sans abîmer, enfin, c'est du sport. Et là, franchement, il y a des moments de rigolade extraordinaires. Le lavage de la peinture se fait dans l'intimité. J'aime bien quand le copain vient avec le modèle. Parce que comme ça,
Je vais pas intervenir pour la peinture qui est dans le dos ou quoi que ce soit. Hein. C'est très respectable. Je préfère vous le dire de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les modèles !» Et après, pour les laver, etc. Ben, moi, j'aime bien que le copain vienne avec. Et dans les films qui sont là, même bien souvent, ce sont les copains qui font des photos ou qui me préparent la peinture, tout simplement. Hein, et quelquefois même qui tiennent la vidéo. Au moins, il n'y a plus de problème de ce côté-là. En parlant de peinture sur les corps, qu'en est-il sur les composants de la peinture appliquée sur les peaux? Est-ce qu'il y a un danger ou est-ce que vous avez anticipé, contourné ce danger? Alors effectivement, toutes les peintures ne sont pas bonnes à appliquer sur le corps. Mais vous allez à l'école maternelle et tous les enfants jouent avec la peinture. Eh bien, je fais pareil. J'utilise des peintures qui s'adaptent au corps. Et quand quelquefois je dois utiliser une peinture qui est un petit peu différente pour des raisons de technicité de rendu, le modèle s'enduit d'huile. D'ailleurs, vous le voyez sur certaines images, le corps brille. Donc il y a de l'huile sur le corps. Pour créer une barrière. Pour créer une barrière naturelle. Mm-hmm. Hein. Mais je n'ai jamais eu un problème. Tous les produits qui sont utilisés, je les ai d'abord expérimentés sur moi, hein, sur ma compagne ensuite, qui est aussi un de mes modèles cobayes, on va dire. Hein. Et non, on n'a jamais eu quelconque problème avec la peinture, les produits utilisés. Mm-hmm. Le seul problème que l'on peut avoir, et ça, on le voit aussi dans la vidéo, c'est quand la peinture est en train de tourner, hein, de se balancer et que le jet de peinture se rapproche du visage, éventuellement, les cheveux sont protégés par une charlotte, hein, le visage est plus ou moins protégé, soit parce que la charlotte elle est déplacée, ce qui donne des effets brillants sur les vidéos, hein, ou alors on impose des protections du genre coton, du genre le copain met la main sur le visage de la fille pour qu'elle ne reçoive pas de peinture dans la bouche ou dans les trous de nez. Mais ça, c'est marrant aussi, non? Vous trouvez pas? Oui. Essayez donc de le faire. Avec grand plaisir, monsieur Gino. Oui, dans mes œuvres Farandole Art, y a-t-il une œuvre particulièrement? Ben, je vais vous dire qu'aujourd'hui, non. Parce que je suis loin d'avoir fini l'expérience du Farandole Art. Je suis en pleine recherche. Donc, il y en a certaines que je trouve mieux que d'autres, bien sûr. Plus attrayantes que d'autres. Plus anonymes que d'autres. Plus abstraites que d'autres, surtout. Puisque dans... Évidemment, quand il y a un personnage, on voit bien que c'est un personnage. Donc là, on est presque dans du figuratif. Une technique, des techniques utilisées qui sont abstraites avec un personnage. Donc, ça devient une peinture figurative. Mais quand il n'y a pas de personnage, j'essaye d'être dans l'abstrait le plus possible et... donner la possibilité à chaque spectateur d'avoir son propre rêve en regardant mes peintures, que ce soit avec un modèle ou sans modèle, puisque le modèle est complètement anonyme. Il n'y a plus les yeux, il n'y a plus le visage, il n'y a plus les traits du personnage, il y a simplement le passage du personnage sur la toile. Donc c'est à lui à imaginer quel est le personnage. Très bien, monsieur Junot. Ça, je trouve ça très bien. Merci pour le très bien, monsieur. Avec grand plaisir.
essentiel dans la création de vos œuvres? Alors, la musique, je travaille toujours en musique. D'ailleurs, vous, quand vous êtes arrivé, il y avait de la musique partout. La musique, je travaille beaucoup en musique. C'est mon partenaire privilégié, parce qu'elle est toujours avec moi. Les modèles, non. Les collaborateurs, non plus. Mais la musique, oui, elle reste avec moi. Et effectivement, j'ai le cœur rempli de musique quand je travaille. Et avant de commencer, je propose aux modèles quel genre de musique elles veulent entendre pendant qu'elles sont là à attendre paisiblement que leur corps soit complètement souillé de ma peinture. Embellie, vous direz-vous, quand on voit cette vidéo très très bien menée par Thierry, qui a su trouver des couleurs, qui a su trouver des formes pour rendre attractif quelque chose de répétitif. Parce qu'on voit bien que c'est répétitif. Mais avec des couleurs, avec des changements de ton, avec des contrastes, il a su rendre une vidéo complètement technique en une vidéo artistique. Bravo Thierry. Pouvons-nous consulter vos œuvres? C'est une question qui me plaît pas beaucoup, mais à laquelle je vais vous répondre, évidemment. Les tableaux, ça se regarde en vrai. Ça se regarde pas à travers un écran. Donc, quand vous me dites une plateforme, évidemment, c'est la vente par correspondance. J'ai effectivement des tableaux qui sont présentés sur différentes plateformes. Mais je préfère, moi, le contact direct avec le public. D'accord. Le contact, des expositions, des visites personnalisées dans mon atelier. Oui. Vous voyez, c'est tellement plus enrichissant et pour l'amateur d'art et pour moi. Par ailleurs, excusez-moi, je vous ai coupé, monsieur Genoux. Oui, vous m'avez coupé. C'est pas agréable, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Hein? C'est une interview. Je continue. Hein? Vous savez, sur Internet, la grande question, c'est « Ah, combien ça coûte ?» Mais non, une œuvre d'art, ce n'est pas combien ça coûte, c'est « Ça me plaît, ça me plaît pas, je ressens quelque chose, j'ai envie de comprendre, j'ai envie... » Combien ça coûte? Non, vous allez la garder, une œuvre d'art. Vous n'allez pas dire combien ça coûte à votre femme. Hein? Vous la gardez comme elle est, ou alors vous changez. Là, vous me posez une question qui m'entraîne dans des discussions un peu hors de propos. Mais c'est intéressant d'en discuter, d'en échanger. Très intéressant, très constructif. Hein. En y pensant, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est inestimable, une œuvre d'art. Dans quelle ville réalisez-vous les expositions, monsieur Junot? Au cours de ma vie, j'ai fait le tour de la planète, quoi. J'ai fait plus de 500 expositions. Actuellement, je me concentre sur des expositions plus professionnelles, évidemment. Et notre découverte du Covid
notre passage à la fois physique, économique et aussi culturel. Quand on voit que les salles de spectacle sont fermées, quand on voit que les salles d'exposition sont fermées, les musées sont fermés, oui. Aujourd'hui, la reprise du... La reprise, aussi difficile soit-elle, de la vie, avec des augmentations qui n'en finissent plus, on se demande si l'œuvre d'art a encore sa place. Alors que l'œuvre d'art, c'est la chose numéro un dans une maison. C'est la chose avec laquelle on vit. C'est la chose qui vous fait penser, qui vous fait rêver chaque jour. Hein? Donc, moi, j'essaye de présenter mes œuvres par moi-même, de les faire présenter par des gens qui... aime ma peinture, bien sûr, hein, et les plateformes, c'est pas quelque chose qui je trouve très intéressant pour moi. Oui, bien sûr, j'ai des expositions à venir. Là, on est simplement dans une période de reprise, donc je me contente d'expositions plus ou moins locales. Je vais donc participer à une belle exposition, une grande exposition à Monaco dans quelques jours. Et prochainement, le mois prochain, je crois, à Paris, je pense aller en Suisse ensuite, au Luxembourg, à Bruxelles, d'autres villes en France. D'accord. On m'a proposé Madrid aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas été particulièrement satisfait des expositions sur Madrid, non. D'accord. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a tellement de grands artistes en Espagne que les Espagnols sont un peu chauds, hein. Faut pas... D'accord. Ils préfèrent acheter espagnol. Oui, d'ailleurs, c'est d'ailleurs la même chose quand j'expose en Chine. Mm-hmm. Hein, quand j'expose en Chine, on m'a tout de suite dit c'est pas la peine, vous perdez votre temps. Les Chinois achètent chinois. S'ils veulent acheter français, ils vont à Paris.
Pensez-vous que les Français achètent français? Alors, c'est un des rares peuples qui, lui, est international en matière d'achat artistique. Parce qu'il y a plusieurs solutions d'achat. Il y a l'achat investissement, là il est international, on le connaît bien, ça se passe par vente aux enchères. Il y a l'achat décoration, on achète une affiche parce que c'est une affiche de X ou de Y, ou alors c'est une belle photo de peinture que l'on trouve sur Internet, parce que ça, on le trouve aussi. De magnifiques tableaux sont vendus sous forme d'affiches. Je trouve ça un peu dommage, mais enfin, c'est comme ça, c'est une première approche dans la connaissance de l'art. Et ensuite, il y a les amateurs d'art. Les gens qui s'intéressent à ma peinture, ce sont des amateurs d'art, ce sont des gens qui recherchent des œuvres que l'on ne retrouve pas partout, des œuvres qui ont une signification, des œuvres qui leur parlent, des œuvres avec lesquelles ils savent qu'ils vont vivre et que la vie va être belle avec eux. Vous voyez, quand vous regardez cette vidéo, si vous n'en avez pas un bon souvenir, vous n'achèterez jamais Farandole Art. Mais si vous en avez un bon souvenir, oui, le Farandole Art, c'est ça. C'est toute cette chose, c'est tous ces mouvements, c'est tous ces personnages, c'est toute cette recherche. Hein. Je me rappelle d'une remarque de Picasso qui avait fait un dessin qui avait été vendu fort, fort cher. Et la remarque avait été... Oui, j'ai mis 5 minutes à faire le dessin, mais j'ai travaillé 80 ans pour apprendre à dessiner. Concernant le Farandole Art, que pouvez-vous nous dire concernant le sujet de la seconde vidéo à venir? Nous allons effectivement continuer d'autres vidéos sur d'autres techniques qui sont et qui donnent ensuite le Farandole Art. Le Farandole Art, c'est un art dans lequel il y a la farandole du cyclo-balancier, mais il y a aussi les recherches et les avancées dans le body action painting, hein, dans le pouring action painting. Ce sont aussi des techniques que j'utilise et que je voudrais mettre aussi en valeur dans des vidéos spécifiques. Voilà, merci beaucoup de votre interview. C'était Fiona pour la chaîne Alain Junot. Et moi je conclue, parce que vous n'avez pas conclu, mais moi je conclue. Madame, ma prochaine séance de peinture aura lieu jeudi. Est-ce que vous voulez participer? Mais avec grand plaisir, monsieur. Ah, ben voilà. On passera encore un bon moment ensemble.